Ces images qui nous est donné de voir sont précieuses. Ce sont les premières images d'Alger tournées en 1896. Le cinématographe venait d'être inventé par les frères Lumière. La place des Martyrs, jadis place du gouvernement, fourmille de monde. Il y a là des colons et quelques indigènes. Le pays est transformé par la colonisation au seul profit des populations européennes, tandis que la majorité des Algériens croupissent dans la misère totale. Le peuple algérien est éprouvé par les dures années de résistance opposées à l'occupation française depuis 1830. Vaincus, les Algériens sont soumis à un véritable régime d'exception, le code de l'indigénat. Ils vivent en sous-hommes sur leur propre terre. La colonisation sauvage, la colonisation du père Bugeaud et des autres généraux qui se sont illustrés en massacrant les tribus, en prenant de manière extrêmement violente les terres des indigènes algériens, les expropriations, les différents senatus consultes de 1863 et plus tard encore, donc ont complètement réduit à néant l'ancienne organisation structurelle de la société algérienne. La France vit au rythme de la Troisième République. Liberté de réunion et de presse, droit de se syndiquer et instruction obligatoire. La République s'affirme même en votant en 1905 la loi de la séparation de l'Église et de l'État. À l'occasion de l'exposition universelle de 1900, la France fait son bilan du chemin parcouru au XIXe siècle. Les exposants montrent les nouvelles productions obtenues grâce aux progrès techniques, dans le textile et la métallurgie, par exemple. Pour l'occasion, on fait de grands aménagements dans le transport. À Paris, la première ligne de métro est inaugurée. Elle traverse la ville de la porte de Vincennes à la porte Maillot. Pour les Français, c'est la belle époque. Mais la France a un double visage. Hors de l'Europe, dans les colonies, ses valeurs républicaines disparaissent et laissent place à la France colonialiste. En Algérie, la France coloniale crée des routes, des voies de chemin de fer, et des ports pour faciliter le transport des matières premières et des produits agricoles vers la métropole. Les indigènes en payent le prix fort. Ce sont eux qui sont de corvée pour les grands travaux. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous demander... Dans un discours à l'Assemblée nationale, Jules Ferry, auteur des lois de la Troisième République, mais farouche partisan de l'expansion coloniale, au détriment des peuples soumis, déclare. Sur le terrain économique, ce qui manque à notre grande industrie, ce sont des débouchés. Or, ce problème est intimement lié à la politique coloniale. C'est donc dans les colonies que la France va chercher ses débouchés. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'Algérie est un pays occupé. Les Algériens vivent sous le code de l'indigénat imposé par la loi du 28 juin 1881. Un véritable régime d'exception. La justice est administrative. Les déplacements sont contrôlés. Les confiscations des terres se poursuivent. Le droit de vote est limité. Et les punitions collectives généralisées. Il y a eu l'implosion des structures sociales, il y a de nouvelles mobilités, il y a eu énormément de gens qui se sont retrouvés hors de leur structure d'origine, hors de leur territoire d'origine, hors de leur famille, de leur tribu, qui allaient entraîner un mouvement, comment dire, de métissage algérien sans précédent. C'est un élément absolument important.
Dans les médinas, les Algériens s'inventent une autre manière de survivre. À Alger, c'est dans la ville arabe, la Casbah. À l'occasion des fêtes ou toute autre occasion de la vie quotidienne, que les autochtones vont manifester le désir de s'organiser et de vivre ensemble en dehors des liens tribaux, de clanisme ou de sang. C'est peut-être une société civile d'un autre type qui est en train d'apparaître, de se développer et dans laquelle un certain nombre d'indigènes ont occupé des places. Ces indigènes, cette élite dont on peut parler, ce sont surtout on les a appelés des évolués, des gens évolués, des évolués. C'est des gens qui sont passés inévitablement par l'école. C'est des gens donc, qui possèdent la langue du colon. Dans les cafés morts, lieu de sociabilité par excellence, on parle de choses et d'autres. On vient chercher du travail ou même emprunter de l'argent. Le cafetier joue parfois le rôle de banquier. C'est dans ces lieux que le mouvement des jeunes Algériens élit domicile. Les jeunes Algériens vont devenir les pionniers du mouvement associatif autochtone en tirant parti de la loi de 1901 sur les libertés associatives pour s'organiser entre eux. Désormais, ces associations vont disputer au vieux turban la représentation de la société indigène. Les élites, notamment les élites citadines, et ce n'est pas propre à l'Alger, c'est un phénomène qu'on a pu observer aussi en Tunisie et au Maroc, ont commencé à transférer le sang de la confrontation, c'est-à-dire de l'opposition ou de la résistance armée, à la confrontation politique, avec les moyens pacifiques, avec l'organisation et tout. Et la première datation, c'est 1891, l'enquête de la commission sénatoriale dépêchée par Jules Ferry et l'adresse des notables, c'est connu comme ça, la lettre des notables de Constantine qui était adressée donc à la commission d'enquête et qui formalisait les premiers objectifs strictement et clairement politiques de défense de la collectivité nationale autour de la préservation et de la protection de l'appartenance religieuse et autour de la protection de la sauvegarde de la langue arabe. En ce début du XXe siècle, sur la rive ouest de l'océan Atlantique, l'originalité américaine s'affirme. Après avoir rattrapé son retard sur le vieux continent européen, l'économie américaine innove. De nouvelles méthodes de production sont mises au point. Dans l'industrie, le travail est divisé en tâches distinctes et chaque tâche est confiée à un ouvrier spécialisé. L'ouvrier va répéter inlassablement le même geste, la même fonction. C'est le taylorisme. Henry Ford va bouleverser le paysage industriel en associant les principes du taylorisme au travail à la chaîne. Une autre trouvaille pour produire en masse. Avec le temps, les entreprises familiales disparaissent au profit d'entreprises géantes et bientôt des trusts. En ce début du XXe siècle, les États-Unis d'Amérique deviennent la première puissance économique mondiale. Un peu partout dans cette Amérique en pleine expansion, les bourgs se transforment en villes et les villes en cités florissantes. Une nouvelle musique, le jazz, fait jazzer. La naissance du cinéma fait rêver. La publicité et la consommation de masse fait des heureux et enrichit les détenteurs de capitaux. Une nouvelle manière de vivre apparaît. C'est l'American Way of Life. Mais cette nouvelle manière de vivre laisse sur le carreau des laissés pour compte qui survivent grâce aux soupes populaires. L'Allemagne
En plein essor culturel, scientifique, industriel et économique, associe avancées sociales et disciplines. Mais elle se voit désavantagée devant les conquêtes de la France et l'Angleterre. Ce qui suscite cette déclaration du porte-parole des économistes allemands. Il va être impossible de maintenir le niveau de vie de nos ouvriers sans de nouveaux marchés. Nous restons tributaires de l'étranger. Nous n'avons pas de colonies. Et l'ancien chancelier Bethmann Hollweg d'ajouter à l'adresse de l'ambassadeur de France. L'Allemagne est en droit d'obtenir dans le monde la part légitime de tout être qui grandit. En 1911, lorsque la France intervient au Maroc pour en faire un protectorat, l'Allemagne envoie une canonnière dans la baie d'Agadir pour lui signifier qu'elle n'a pas tous les droits au Maroc. Finalement, après un marchandage politique, l'Allemagne accepte le protectorat de la France sur le Maroc en échange d'une partie du Congo français. En 1912, devant le réarmement allemand, la France institue la conscription des indigènes en demandant aux Algériens de s'acquitter de l'impôt du sang. Les conscrits sont désignés par tirage au sort. Les Algériens refusent. Ils ne se sentent pas concernés par cette guerre. Pour les Algériens, la première date qui compte, c'est 1907. 1907, effectivement, devant la politique de réarmement allemand, les autorités françaises commencent à s'inquiéter du rapport de force et le rapporteur de la commission de l'armée à l'Assemblée nationale française, Mesmi, propose d'imposer la conscription des Algériens au nom de ce qu'il a appelé à l'époque la dette du sang. Bon. Et il s'agissait en fait de transformer ce qui était une possibilité d'engagement volontaire dans les rangs de l'armée française pour les indigènes musulmans en obligation. Donc, c'est à partir de cette proposition de la commission parlementaire que l'idée de la conscription des musulmans algériens fait son chemin et elle va être concrétisée. En 1912, effectivement, il y a un décret instituant la conscription pour les musulmans algériens. Dans l'ouest algérien, particulièrement à Tlemcen, près d'un millier d'habitants choisissent l'exil et se réfugient en Syrie pour ne pas servir dans l'armée des Roumis. Ce sont en majorité des notables, des nantis, qui choisissent la Hijra, l'exode, pour vivre en terre d'islam. Il y a eu beaucoup de stratagèmes de la part, durant cette période, des Algériens, et particulièrement des gens nantis. Donc il y avait ce qu'on appelait le remplacement. Le remplacement était permis légalement. Il était reconnu permis légalement. Les gens qui avaient suffisamment d'argent, les jeunes de la bourgeoisie, bon, achetaient un bonhomme, ils lui donnaient un certain pécule et ils partaient à la place du fils du caïd, du fils d'un grand bourgeois de la bourgeoisie algérienne. Il y a eu cette technique-là. Il y a eu d'autres techniques, par exemple, pour échapper à l'incorporation militaire, des gens ne se déclaraient pas à l'état civil. Les jeunes Algériens représentent ce qu'on appelle les évolués. C'est une minorité qui a accès à un niveau d'études élevé en français. Ils acceptent la conscription, mais ils demandent en contrepartie la suppression du code de l'indigénat et des tribunaux d'exception, la répartition équitable des impôts et l'accroissement des droits politiques. Mais les colons rejettent en bloc leurs demandes. Ils expriment leur crainte de voir les autochtones retourner leurs armes contre eux. Les seigneurs du colonat trouvent de nombreux appuis dans les milieux politiques parisiens. Depuis cette histoire de conscription appelée l'Askaria,
Les Algériens ont peur pour leurs enfants, enrôlés de force dans cette guerre qui ne les concerne pas. Vécu comme un nouveau traumatisme collectif, cette histoire de conscription est très présente dans la poésie et les chants populaires. Que dire de cette chanson que l'on fredonne dès les premiers jours de la mobilisation? Dans les quartiers arabes, dans les souks et les cafés morts, on entend ce refrain. « Yael Francis, wesh fi belek, Dzaïr mashi dielek, iji l'Allemagne yeddi helek, la budda terja ki zman, aïe aïe ki n'amallu, l'haj guillaume m'tla sa'dou. » Ces couplets de création populaire ne sont en aucun cas un soutien pour le Kaiser, mais un acte de résistance à la colonisation française. Pendant cette période-là, il y a des évolués qui suivent un peu les chemins de la modernité. Mais le fond du peuple algérien, qui était essentiellement paysan, c'était la paysannerie. La paysannerie continuait et utilisait la poésie populaire, la poésie orale, et qui faisait une large place à ce mode d'expression. Les Algériens chantaient ce qu'ils ne pouvaient pas dire librement. Ces chansons populaires, de par les conditions de leur production, vont acquérir une valeur de document historique qui marquera cette période de guerre. Effectivement, c'est un marqueur de l'évolution des mentalités, et c'est un marqueur, si on veut, du fort résistentiel de la société algérienne, alors que les Algériens vivaient dans une précarité absolue, dans une condition économique et sociale de suggestion, avec le code de l'indigénat, avec une paupérisation massive des Algériens. Si certains notables et dignitaires de confrérie et les jeunes Algériens affichent un certain loyalisme que l'administration exploite sans retenue, la majorité de la population, quant à elle, est repliée dans un silence qui en dit long sur le sentiment des Algériens. Un matin, on a trouvé un écriteau de protestation sur la porte de la grande mosquée d'Alger. « Hadez men skout, men tkellem l'batel thbout » Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, accompagné de son épouse la duchesse de Hohenberg, effectue une tournée d'inspection dans la province slave de Bosnie. Ce jour-là, un jeune collégien serbe de Bosnie, Gavrilo Principe, tire sur le couple princier, blessant mortellement l'archiduc et son épouse. Les regards se tournent alors vers la Serbie, qui aspirait à unir sous sa bannière les peuples slaves du sud, les Yougoslaves. Un mois après, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Survenue après une série de crises entre les puissances du vieux continent, l'attentat de Sarajevo est le prétexte et non pas la cause du déclenchement de la guerre. Le 2 août 1914, la France décrète la mobilisation générale. Deux jours après, le 4 août, des navires de guerre allemands croisant au large des côtes algériennes bombardent les villes de Annaba et Skikda. Une cinquantaine de salves touchent le port, la gare, la caserne et l'usine à gaz. Après l'attaque allemande, la France accélère le transfert des troupes vers le front. Dans une chanson populaire, l'embarquement des conscrits algériens est relaté ainsi. « Habtouna mel machina,
كي الكباش يدمروا فينا رحنا للمارينا باش الدوك دومالي يسافر بينا هبطنا للباب تزيرة بالبردعة والجميلة الصباط مسمر في رجلينا والكبران يحرب فينا شوفوا شوفوا يا دي الناس هذا القرة بتاع الجناس Le 6 août, au départ d'Alger, Bentifraouin, un tirailleur algérien, adresse une lettre d'adieu à sa femme Sarah. Au moment où je prends le bateau, j'ai quand même peur. Je pense à ma famille. J'ai peur de ne plus revenir. Je pense à toi et aux enfants. Avec les copains, je prépare les armes et j'admire le paysage, peut-être pour la dernière fois. Ce mois d'août 1914 marque le début d'une terrible guerre qui va durer quatre longues années jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. D'un côté, il y a les puissances de l'entente, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Serbie. De l'autre côté, les puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche, auxquelles se joindront par la suite l'Empire ottoman et la Bulgarie. Dans cette guerre, 173 000 combattants algériens vont connaître l'enfer des tranchées. La population des Benishougran dans la région de Mascara a particulièrement souffert de l'abus de la colonisation. Expropriation des terres et application d'une politique injuste de l'impôt. Et voilà qu'à l'occasion de la Grande Guerre, on impose à ses enfants le service militaire. Le 21 septembre 1914, à Sidi Dahou, près de Mohammadiya, des Chougrani se révoltent et refusent que leurs enfants rejoignent le front. Les insurgés attaquent les fermes des colons, incendient et détruisent tout ce qui représente l'administration coloniale. L'armée française réplique. Elle occupe la région et installe canons et mitrailleuses. La répression est sanglante. Les notables arrêtés et les enfants emmenés de force. L'administration procède également à la saisie des biens des insurgés. Plusieurs prisonniers sont exécutés sur la place publique, à Mohammadiya notamment. D'autres sont déportés à Cayenne. Aussitôt arrivées en France, les unités de tirailleurs et de spahis algériens participent à la bataille de la Marne. Ils font preuve d'un remarquable courage lors des grands combats de Champagne, de Verdun et de la Somme. Ils s'illustrent ainsi durant les quatre années que dure la guerre, jusqu'à la dernière offensive du printemps 1918. Sur le front, la vie est pénible. Enterrés dans les tranchées, les déplacements des soldats sont limités à quelques mètres tout au plus. C'est l'enfer de la boue, du froid et de la menace des rats. Dans une lettre à sa famille, un soldat algérien, Ali de Mascara, décrit cet enfer. Nous logeons dans des cavernes comme des hérissons et avons constamment la pluie sur la tête. Nous sommes exposés à un bruit assourdissant. Nous sommes dans un état que la langue ne peut décrire. Ce pays est abandonné par Dieu. Contraints et forcés, les Algériens se retrouvent engagés dans une guerre qui ne les concerne pas. De nombreux soldats algériens pris dans l'engrenage combattent loyalement dans l'armée française. Mais beaucoup ont une attitude de résistance.
faut signaler aussi qu'il y a eu un certain nombre de désertions des soldats algériens, qu'il y a eu une propagande allemande et turque en leur direction pour les inciter à déserter et à fuir un petit peu les corps dans lesquels, les corps d'armée dans lesquels ils appartenaient. Et de l'autre côté, la surveillance s'étendait à pratiquement à tout. Par exemple, les lettres étaient complètement surveillées, lues, classées en différentes catégories. Et donc, cela prouve que les soldats algériens étaient victimes d'une ségrégation extrêmement forte et qu'ils étaient employés comme chair à canon. En réalité, les soldats algériens ne sont pas traités à l'égal des Français. Ils sont continuellement surveillés, leurs courriers contrôlés. Les officiers indigènes font l'objet de méfiance de la part de leurs supérieurs. Entre deux batailles, les soldats indigènes ont droit à une permission. Ils sont parqués alors dans des camps contrôlés, loin des villes. Pour les autorités civiles et militaires, il n'est pas question pour ces soldats indigènes d'entrer en contact avec la société française. Cela pourrait leur donner de mauvaises idées de liberté, d'égalité, et peut-être les inciter à la révolte. Cette guerre est particulièrement meurtrière. Aux armes traditionnelles s'ajoute la terrifiante arme chimique. Lors des attaques, les soldats algériens sont placés en première ligne. Rares sont ceux qui s'en sortent vivants du bourbier des champs de bataille. Subissant de plein fouet la violence inouïe de la guerre, les tirailleurs sont parmi les troupes les plus décorées. On les appelle les Turcos. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la société algérienne est très très largement une société agro-pastorale. Les appelés, ce sont des gens qui viennent de nos campagnes, de nos villes aussi, mais surtout de nos campagnes. Bon, donc avec un très faible niveau d'instruction, avec un niveau de formation professionnelle plus qu'élémentaire, bon, et qui sont déracinés. Et qui se trouvent confrontés à la violence et dans la contrainte de faire la guerre. Et ils la font. Et ils payent le prix. Malgré les lourds sacrifices consentis, les soldats algériens n'échappent pas aux préjugés coloniaux. Ils sont abreuvés de colibés du genre « il n'y a pas bézef » ou encore « ce soir-là, il y aura du rab chéchia ». En plus des conscrits pour combattre au front, 120 000 ouvriers algériens sont recrutés pour participer à l'effort de guerre. Ils sont surtout employés dans les usines d'armement, les mines, les usines de produits chimiques et l'agriculture. En ces temps de guerre, les indigènes ne sont plus des ennemis à vaincre. Ce sont des hommes dominés qu'il s'agit de mettre au travail. Dans une notice, le général Famin, directeur des troupes coloniales au ministère de la Guerre, décrit les Algériens comme étant des travailleurs robustes et sobres, bons pour effectuer tous les travaux, principalement dans l'agriculture, les mines et les travaux d'usine. Ici, le corps est avant tout force de travail. Et sa valeur est marchande. Ramener des colonies, c'est un corps étranger potentiellement porteur de maladies. Aussi, on lui fait passer des visites médicales et souvent on l'isole dans des cantonnements. Manifestement, la France coloniale a peur des métissages.
Mais pour l'image, la propagande montre une France paternaliste, bienveillante à l'égard de ses soldats venus des colonies. À l'occasion des fêtes, on leur sert du couscous et comme tous les troufions, ils font la fête bruyamment. Toutefois, malgré une politique de ghettoïsation, des contacts avec la population s'établissent. Par comparaison, cela va permettre aux Algériens de prendre la mesure de leurs conditions de colonisés. Ils vont découvrir que la France métropolitaine n'est pas celle qu'ils ont connue en Algérie. Ils s'initient à la vie ouvrière, à la revendication, à la grève. Des mariages mixtes sont célébrés. Bientôt, ils vont contracter des habitudes peu compatibles avec l'ordre colonial. Un tiers de la population algérienne active est arrachée à la société pour combattre au front ou bien travailler dans les usines d'armement et autres au titre de la participation à l'effort de guerre. La France réquisitionne et achète les denrées alimentaires à des conditions avantageuses. L'Algérie contribue à nourrir la France à bon prix. Si les exportations algériennes de vin, de tabac et de céréales augmentent, en revanche, les importations se raréfient. Partout, on est à la recherche de sucre, de charbon et de pétrole. La population algérienne est sérieusement touchée par la famine. Plongée dans la misère, on implore Dieu. Ya Rabbi waltaf bil hal, had el ghla alina tal, el ghani fnalou el mal, wel galil kaytou kiya. Les nouvelles en provenance du front font état de beaucoup de morts. Les familles commencent à parler de tirailleurs chers à canon. La généralisation de la conscription en 1916 entraîne des protestations. La réquisition d'une partie des récoltes s'accompagne de disettes. Ici et là, les gens se soulèvent contre la Askaria. La résistance est particulièrement vive dans les Aurès. L'armée française réplique en incendiant plusieurs douars. La répression est sauvage à Ain Touta, Douar Ouled Aïouf et Berika. Plusieurs morts et des arrestations sont enregistrées. Devant le sentiment national qui enflamme les peuples des Balkans, l'Empire ottoman perd des territoires. Il ne va pas tarder à se désintégrer. En pleine guerre, le 16 mai 1916, la France et la Grande-Bretagne signent un accord en secret, dit Sykes-Picot, du nom de leur négociateur, le français François Picot et le britannique Sir Mark Sykes. Cet accord prévoit le partage du Moyen-Orient, alors sous influence ottomane. C'est le début de la chute de l'Empire ottoman. Un empire qui s'étendait sur une partie de l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. I want you for US Army. Aux USA, c'est le temps de la mobilisation. L'oncle Sam convoque ses boys. Il a beaucoup investi en Europe. Il est temps d'y défendre ses intérêts. Le 6 avril 1917, les États-Unis rejoignent la coalition de la Triple Entente. C'est la première fois qu'ils interviennent en dehors de l'Amérique.
octobre 1917. L'Empire russe s'effondre. Les bolcheviks, avec à leur tête Lénine et ses camarades, prennent le pouvoir à Moscou. Le premier État communiste vient de naître. Deux mois plus tard, un armistice suspend les hostilités entre l'Allemagne et la Russie. Pour les Algériens, la révolution russe de 1917 n'apparaît pas immédiatement comme un événement important. Elle le sera plus tard dans le cadre de l'internationale communiste, dans sa dimension anti-impérialiste et anticoloniale. Ce qui ne manquera pas d'effrayer le colonat. En novembre 1918, l'armistice signé, les combats cessent sur le front. Les soldats retrouvent leur famille. Il vient de s'écouler quatre longues années de guerre absurde et particulièrement meurtrière. 25 711 Algériens sont morts, 72 000 blessés et près de 9 000 sont invalides. Le prix du sang est lourd. Surtout que la population algérienne en ce temps-là ne dépassait guère les 5 millions d'âmes. Nous, nous sommes en devoir de rappeler à l'État français que nos aînés sont morts pour la France. Ça crée des liens, mais pas des liens de dépendance, de domination et d'hégémonie. Ça doit créer aussi des liens éthiques. Que la République française reconnaisse le poids des sacrifices. Au retour du front, les combattants algériens découvrent un pays laminé par la guerre. Les prix ont plus que triplé. Les colons du négoce étalent leurs richesses au moment où les Algériens sont rongés par la famine et la maladie. Les soldats qui reviennent, au-delà de leur statut administratif, donc d'anciens combattants ou pas, peu importe, mentalement, culturellement, ils reviennent dans leur société, mais avec un nouvel outillage sur plan mental, sur plan culturel, sur plan technique. Ce sont des gens qui ont appris l'usage des armes qui étaient, bien entendu, proscrits aux Algériens. Dans les années après-guerre, les Algériens finissent par développer une réaction politique à la situation de sujétion dans laquelle ils sont maintenus. La naissance progressive d'un mouvement nationaliste marquera le début d'un processus qui va modifier les relations entre les Algériens et les Européens. Le premier pas significatif est fait par l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abd al-Qadr, que les évolués se donnent comme leader. En 1919, l'émir Khaled adresse une lettre au président Wilson, président des États-Unis d'Amérique. Dans cette lettre, l'émir Khaled rappelle la déclaration du président Wilson, dans laquelle il proclame qu'aucun peuple ne peut être contraint de vivre sous une souveraineté qu'il répudie. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'émir Khaled est signataire de la lettre, mais au départ, l'idée, c'était l'idée d'une pétition qui a été effectivement signée par d'autres notabilités musulmanes qui, à la dernière minute, se sont rétractées de crainte d'un retour de bâton de la part des autorités françaises. L'émir Khaled, lui, a donc signé seul cette lettre-là adressée au président Wilson, qui s'appuie sur le point 5 des 14 recommandations présentées par le président américain au Congrès américain en janvier 1918, donc au moment où les Américains sont bien engagés dans la guerre. Que dit en particulier ce point 5 des recommandations présentées par le président Wilson? Ce point 5 traite de la situation des colonies. Donc, et le président américain recommande la prise en charge de la question des colonies
en veillant à l'intérêt des populations concernées. C'est-à-dire, traduit concrètement, pour ce qui concerne l'Algérie, en veillant aux intérêts des populations musulmanes algériennes. Et ça a été compris un peu comme une formalisation, une première formalisation du principe du droit à l'autodétermination. L'émir Khaled exprime ainsi le droit des Algériens à l'autodétermination. La France et le colonna n'arrivent pas à comprendre que les Algériens refusent l'assimilation à une société dominée par les Français. Après la Grande Guerre, un peu partout dans le monde, c'est l'affirmation des nations. En Europe, en Afrique et en Orient, des mouvements militent pour mettre fin aux empires. Pour les Algériens, cette conjoncture internationale va permettre au mouvement national de faire connaître sa cause à l'étranger. Une cause qu'il défendra en luttant politiquement et bientôt militairement pour l'affirmation de l'Algérie algérienne. Une nation libre et indépendante. عندك كلش بالدراهم تهدر غير بيهم ولادك نهبط في الراي لا ضرق بعدها والدراهم صرفتها وشنو خويا يوسف بلا ضرق غير تخرجي من الدار تلقى غردك باش تخرجي غنية ما تخرجيش ما تخرجيش غنية غنية وانا ما نزيدش نروح نخدم عنده كيفاه انا اللي نديسيدي ماكش نتا راني نشوف بزاف تصاور سمير في هذا الغربه ما تقلقيش روحك باش تروحي البارح ديرو مكفوفين بلا ما تقولي لي نحب ديما نذكر على روحي انا ما فهمتش علاش حابه تزوجيني به ماما على خاطر وليد اختك شحال ما نحبوش ما نحبوش مع الوقت توالفني وتولي تحبني اي حاجه تحقيها Des histoires qu'on croyait finies, un passé oublié qui ressurgit. Asrar al-Mahdi, c'est tous les jours, sauf les vendredis et dimanches, à 14h30 sur Canal Algérie. Thank you.